Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable, on va jouer des MSQ. C'est ce que vous avez compris ce que j'ai dit parce que j'ai parlé toute la vidéo comme ça. Et oui parce que sur YouTube il faut être dynamique alors je suis très dynamique. Ou alors je suis peut-être extrêmement chiant. Non bon bref. On va jouer Deinosuchus. Enfin j'ai envie de dire qu'on va jouer le Caïd. Le Caïd qui n'est en fait pas le Deinosuchus mais le Stegosaur. Oh fermez-la. Allez on spawn sous. Yo. Y'a quoi? Yo les bros. Coucou. Je viens de spawn hein, tu me tues pas? Ah mais ok mais c'est là où j'étais avec Luta. What? Y'a des carnons et tout, quoi comme. Attendez, oh. Eh oui, watch your back. Ah ok, eux ils sont en guerre. Ok c'est la guerre ici, allez c'est super, ça commence bien. Yo les refs, vous me protégez jusqu'à ce que je sois full adulte? Hein. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne ce Deinosuchus parce que je l'ai fait qu'en live et j'ai même pas été full adulte donc on va voir ce que ça donne. Oh, t'as chopé un carnot. GG bro. Ah voilà, je suis passé du côté obscur, ça y est. Je joue crocodile. Alors on va juste voir les cris quand même pour voir ce que ça donne. Alors les cris à un bébé. Ok. Ouais c'est mignon. What? Ah ouais ça c'est un cri agressif. Ok. D'accord, ça fait très... très reptile, hein. Très reptile. Il y a 1, 2... 3 carnons. 4 carnons. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour grandir ici, en fait. Hein. Attendez, je participe à votre guerre. Voilà, je me mets là. Je me mets là et il va s'approcher, c'est sûr. Ouais, mais faites un effort aussi, attrapez-le. Mais je vais mourir, c'est sûr en fait. Franchement, je crois que j'ai spawn au meilleur endroit. Hein. What? Je suis pas mort là, sérieux? Parce que moi je suis là depuis tout à l'heure, hein. Je suis juste là en dessous. Allez-y, vous allez y arriver, les gars. Allez-y. Vous allez en choper au bout d'un moment, hein. C'est une question de temps. Hein. Vous y êtes presque. What, y'a le Stego. Non, ça c'est vénère par contre, le Stego. What, mais c'est n'importe quoi. Sérieux, après on parle de Pass of Titan. Ou c'est la guerre absolue et là on est sur Evrima quoi. C'est le même bordel sauf qu'il y a des progs en plus. Franchement c'est n'importe quoi en vrai, hein, mine de rien. Mais y'a bébé Stego. Ah bah le gros Stego a tué le bébé, bah bravo. Vraiment n'importe quoi. Tiens, je t'ai niqué, je t'ai eu. Non. Non. Bon bah écoutez, en vrai de vrai, je vais prog tranquille parce que ça va pas être possible. Je peux pas m'amuser à faire des retours juvéniles en permanence. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre comme ça, je vais pas bouger et je vous reprendrai quand il se passera des choses assez what the fuck, j'ai envie de dire. Hein. Oh. À table. Yes. Ouais, la famille. Mangeons tous. Et ouais, ça. Pas qui c'est qui l'a tué, mais GG. Hein. Ah, c'est lui. On va tout manger. Oh, mais le nourrisseur. Merci, quoi. T'as sérieux, elle est horrible, cette image. Oh, d'abord. Bon, bref, moi, j'ai mangé, je vais vous laisser faire. Hein. Est-ce que je peux prendre un petit morceau? Non, c'est déjà fini. Ok. Et ouais, on est tous nés ensemble, c'est incroyable. Elle est magnifique cette image, c'est un délire. Hein. Allez, je me pose avec vous les gars. Voilà, parfait, paf. C'est la guerre. Ouais, non, j'y vais pas. C'est bon, démerdez-vous. Ouais, mais je peux pas laisser un pote. What? Non, mais non. C'est terrible, j'arrive pas à résister. Hein. Faut vraiment que je fasse quelque chose quand même. Faut que je me soigne. Hein. Alors, est-ce que je peux sauter de là? Ou je vais me prendre un caillou, je vais mourir.
sais pas, hein. Paf, voilà, nickel. Oh, y a à bouffer et tout. Bon. What, y a un crocodile qui est mort ici, pour de vrai. Mais what? Mais c'est un carnage. Mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Yo, frérot. J'étais dans un groupe, hein, tu manges pas. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Bon, moi, je viens de mourir aussi, parce que je suis un peu fou. Mais ouais, j'arrive pas à tenir, hein. C'est un délire. Hein. Je vais me tenir à ce que je dis. Et cette fois-ci, vraiment, voilà, je vais jouer comme ça. En fait, c'est le principe de The Hell, c'est d'être patient. Je suis un peu impatient, peut-être, sur les bords. Togma, ressente ton chakra. Eh, franchement, je m'y suis tenu, hein. Bon, il y a beaucoup de sang autour de mon écran, mais c'est parce qu'il y a un Terra qui arrête pas de nous attaquer, et du coup, c'est pour ça que je me suis mis là. Je me suis mis dans la petite caverne, ici, là. Petite cachette. Et ouais, voilà, et vous voyez, le Terra, là, il fait que nous attaquer. Il est insupportable. Et j'en suis à 25% de growth. Je suis enfin juvénile. Il y a eu un abonné qui était là, Lexio. On lui rend honneur parce que bah, je crois qu'il s'est fait bouffer par un adulte. Écoutez, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, des Deinosuchus. Et bah, je vais continuer à prog. Hein. C'est quand même très long. Là, je dois être à 1h30 de prog dans ces eaux-là. Je pense. Et vous allez voir, hein, si j'attends un peu, il y a le Terra qui va venir me manger. Oh! Par contre, il y a des tares de lag à un moment, à un moment donné. Vas-y, fais croquer. Fais croquer ou je te fume. Ouais, lui, ça a mal commencé notre relation. On a failli s'entretuer aussi. Hein. Bon, je me remets dans mon trou parce que là, je peux absolument rien faire. Même un Terra me met en PLS. Et je suis quand même une grosse victime, hein, de 867 kilos, de 99 newtons de bite force. Mais une victime quand même. Ok, rapport sur la prog. Je suis à 34% de growth. Et là, on a toute la beauté d'Evrima devant nous. Regardez ça. Ça. Regardez, le petit crocodile frétillant ici, et le stégosaure qui est là, qui nous empêche de sortir et qui nous spawn kill, qui tue tout le monde. Et voilà, en action. En gros, le stégosaure est venu en courant jusqu'ici, et il a tué les deux petits qui étaient là. Et là, il y a un mec qui vient de se connecter, Duck Off. Et bah, il peut pas sortir en fait. On peut pas sortir d'ici parce que le stégosaure il est là, et il nous... Il attend que ça, que de nous tuer. Il est même venu dans l'eau avec nous pour essayer de nous tuer. Enfin, c'est un délire. En vrai, c'est relou. Je pense que vous y avez déjà joué. Parce que les comportements comme ça, vraiment, ça détruit le jeu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de règles qu'il faut être un gros con comme lui, quoi. Oula, j'ai encore dérapé. Il est tombé dans l'eau, va le fumer. Va le fumer, gros, il est tombé dans l'eau. Va le fumer. Va le fumer, il fait quoi le gros Deino, là? Moi je peux pas le faire en vrai, il va me détruire. J'ai même pas essayé quoi. Gros! Attaque! T'es où, Stuck? Attaque-le, défonce-le! Voilà, démolis-le, le chien galeux là! Voilà ça! Arrache-le, Deck! Il a tué! Oh yes! Oh! GG! Attendez! Ouais, je lui mets des gros GG! Ah, enfin il est mort ce fan de. Ah! GG, Deck! So yes, my relation, my HP, cause it was all shot. Non, c'est bon, tu l'as buté, c'est bon, t'excuses pas, tu l'as buté ce gros kleps. Eh non, mais vraiment quoi, les comportements comme ça, c'est insupportable. Allez, goal dépioté maintenant là. Goal dépioté. Oh la violence, allez, on l'arrache. Ouaf. Bon, bah, tout ça pour vous dire que. En prog, au calme, on vit des trucs de fou qui sont particulièrement désagréables. Mais votre serviteur vous montrera un Deino full adulte. Bon, en vrai la prog elle se... Bon, qu'est-ce qui se passe toi? Bon, en vrai la prog elle se passe pas mal. Voilà, vous voyez qu'on a un bon groupe de Deino. Il y a Dunkov qui est toujours là-bas. Il y en a plein d'autres qui courent dans tous les sens. Il y a lui, il y en a d'autres là. J'ai pas trop bougé, hein. J'ai pas trop bougé. Je suis à 51%,833. Pas mal, je fais 2 tonnes 2, 175 newtons de bite force. Je commence à être vraiment costaud. Et écoutez, bah, y a plein de petits tutas, de petits gens qui essaient de venir nous troll.
Et en fait, ils se font tous bouffer du coup. Hein, parce que c'est quand même une mauvaise idée. Et en plus, j'ai l'air quand même tout bébé encore. Hein. J'ai encore un visage de juvénile. Alors que vraiment, bah, je fais quand même 2 tonnes 2. Et c'est là qu'en fait, je me rends compte, en termes de bébé Utah, mais qu'est-ce que je voulais faire à tuer un truc pareil? C'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop fort quoi. Et ça, c'est un full adulte lui. Hein. Non, lui peut-être pas. Je sais pas. Je vais aller voir un full adulte pour voir la différence. Donc ça, c'est Dukov, full adulte le gars. Et moi, du coup, ben, 52% de growth, y a quand même une sacrée différence. Quand même une sacrée différence, hein, mine de rien. C'est quand même pas mal. Mais bon, je suis quand même déjà assez fort, hein, mine de rien. Donc ça, ben, c'est cool. Je peux déjà me protéger, c'est le principal. Contre les petits trucs, au minimum. Je vais me poser un peu. J'ai chopé aussi un petit psoriasis, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Il y en a un qui est juste là, c'est un petit carnot. Je vais essayer de le choper. Mais tu es sérieux, je l'ai pas eu? Ah ouais, faut pas se battre contre les crocos. Hein. Faut pas, c'est trop fort les crocos. Trop fort. Et là, en vrai, on peut faire un bait. Genre, je mets ça ici. Tac. Il y a peut-être des Utahs qui vont venir pour le manger. Je sais pas. On va voir si ça marche. J'aimerais bien que ça marche, en vrai. Hein. Ça serait vraiment cool. What? Eh. Hey. Non, par contre, si tu le bouffes... attends, on fait... Non. Mais non, mais enfoiré. Il a mangé mon truc. Ok, bâtard. Est-ce qu'il m'a fait mal? Non, il m'a pas du tout fait mal par contre. Bon, comment on fait pour se régénérer du bleed avec un croco? Je crois qu'on peut pas. Hein. On est obligé d'attendre, peut-être comme ça. Je sais pas du tout. Bref, bon, en tout cas, la prog se passe bien. Je pense que pour cette vidéo, ça va être terminé. Mais c'est la moitié de la prog. Prochaine vidéo, bah, on fera la moitié. Et on essaiera. Voilà, on essaiera de se battre contre des trucs. Visiblement, à ce que j'ai compris, les carnots, on peut les attraper et les faire venir dans l'eau. What? Donc j'aimerais bien essayer de faire ça. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, pour réagir un petit peu à la vidéo et pour qu'on puisse discuter ensemble. Moi, ça m'intéresse toujours et ça me fait toujours beaucoup plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.